Voilà, je voulais faire une petite vidéo. C'est vrai que la longe, c'est un peu stressant de lâcher son chiot en liberté comme ça. Mais sachez qu'il faut plus avoir confiance en vous-même qu'en votre chien. Parce que si vous le lâchez avec la longe, il aura automatiquement l'envie de vous suivre plutôt qu'avec la laisse. Donc je vous ferai prochainement une petite vidéo où je suis en promenade en laisse. Ça, vous allez voir la différence, la réaction du chien, regardez. C'est paradoxal, hein. Il est libre, je ne tiens pas du tout la longe. Il a plus tendance à venir vers moi. Et quand je la laisse, il a plus envie de partir. Donc, Esprit Dog, avec Don Lily Sylvestre, qui m'a conseillé il donne des conseils d'éducation canine pour le chiot. C'est un berger australien, il s'appelle Red. Et de 2 à 4 mois, la période d'imprégnation, vraiment qu'il apprenne à découvrir. Regardez. Réaction de dingue. Je pourrais dire que j'ai peur de perdre, qu'il parte ou qu'il fuit, mais vu qu'il est en longe de 15 mètres, bon, j'ai encore un peu peur parce que j'ai des chats qui suivent. J'ai mes trois chats et deux de mes chats qui suivent à chaque fois quand je suis en balade, donc j'ai peur qu'ils traversent pour les voitures, mais sinon. Vous pouvez le voir ici, où il essaie de grimper, il essaie de faire le foufou. Et je lui interdis rien du tout, je le laisse découvrir. Par contre, si je m'éloigne, vous allez voir comment il va faire. Il va venir de lui-même. Alors même ce que je vais vous faire, regardez. Je vais partir par là. Vous allez voir sa réaction quand il va plus me voir. Regardez. Sans même l'appeler. Vous voyez? Il ne me voit pas. Du coup, il vient vers moi. Et la longe, en même temps, elle sert de sécurité parce qu'il est bloqué. Donc, du coup, vous pouvez aller le récupérer, vous pouvez aller le chercher. Regardez, là, il s'éloigne. Moi, je ne lui cours pas après. Hein. Moi, ce que je vais faire, c'est partir dans l'autre sens. Regardez. À nouveau un petit jeu de cache-cache. Regardez. Vous voyez, c'est son naturel. Comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe. Et sans même devoir crier ou quoi, ou qu'est-ce. Par contre, je ne vais plus jamais vers lui. Et quand je vais vers lui, c'est quand il marche avec moi.